Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va commencer la broderie, donc le tuto numéro 2 pour la broderie. Donc celle-ci, je vais vous montrer le dessin. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait. Voilà, j'ai Fifi qui commence à me taper dans le téléphone. Je vais commencer à vous montrer comment on démarre la broderie, la toile, voilà. Alors je vous montre comment avec Fifi passe. Moi souvent, quand c'est une toile comme ça déjà imprimée, bon, je démarre du premier coin ici en haut. Donc moi je commence de la droite, comme je suis droitière, je commence en haut à droite. Si vous êtes gauchère, vous pouvez commencer à gauche. Donc, je vous montre, voyez. Donc, les carrés, un carré, c'est 4 points. Hein. Un point va se faire avec les 4 trous. Voilà, vous voyez bien. Hein. Alors, je vais prendre une aiguille pour bien vous montrer. Donc une croix va se faire comme ceci, ici, ici et ici. Voilà, donc c'est tout simple, hein, il n'y a pas de difficulté. Donc je vais vous montrer comment on va démarrer, comment on va arrêter son fil et comment on va faire. Donc moi, vous voyez là, je ne mets pas de tambour. Je vous avais présenté les tambours. Donc moi je n'en mets pas, j'aime pas beaucoup. Et là comme la toile est neuve en plus, c'est rêche. Donc j'aime pas beaucoup travailler au tambour. Mais bon, je vous montrerai sur une autre vidéo quand même comment on fait. Là pour démarrer, je ne vais pas le mettre. Donc ici on va déjà commencer ce petit morceau là, qui est vert. Donc sur la référence. La légende ici, donc on va chercher le vert, c'est pas celui-là, il est ici, voilà, donc c'est le numéro 21, je vous ai mis de la musique de Noël, j'ai quand même baissé un peu, voilà, c'est une chaîne de YouTube, il y a 8 heures de musique de Noël. Bon, je vous rassure, ma vidéo ne va pas durer 8 heures. Hein. Alors, on va trouver la couleur, le 21. Donc, vous voyez, c'est un bleu. Donc, comme je vous avais dit sur la première vidéo, j'ai mis où mon aiguille. Elle est là. La couleur ne correspond pas. C'est tout à fait normal. Donc, là, on va prendre... Alors, j'ai pas pris les aiguilles qu'il y a avec parce que pour moi, à cause de mes yeux qui sont top, c'est des top mes yeux, les trous sont trop petits pour moi. Alors, on va prendre. Un fil et donc on va travailler avec deux fils. Donc vous voyez, il y en a trois, il y en a six, pardon. Donc on va en prendre que deux. Alors je vais prendre les deux, je reviens tout de suite. Voilà. Vous pouvez aussi, c'est n'en prendre qu'un et le plier en deux sur votre aiguille. Ça fera exactement la même chose. Alors, on va essayer d'enfiler son aiguille. Alors là, je vous préviens, je travaille avec ma lampe loupe. Moi, je ne peux pas faire autrement.
Donc je ne vais pas faire de nœud. Alors si vous voulez faire un nœud, vous pouvez. Hein. Donc si vous faites un nœud, vous démarrerez par en dessous. Donc comme ceci. Alors je suis où? Voilà. Vous piquerez ici. Alors, voilà, j'y suis. Donc, je suis, pardon, en haut à droite. Je pique en bas, en haut à gauche et je pique en bas à droite. On va y arriver. Hein. Ça, c'est rien, je vais le recouper après un petit peu. Après. Maintenant, je pique en haut à droite. Donc là, j'ai passé en haut à droite. Maintenant, je vais piquer en haut, en bas à gauche. Oh là là, mais ça va vraiment plus, moi. Voilà. Alors, maintenant, on fait l'autre point à côté. C'est parce que moi, j'aime pas beaucoup comme ça. Je vais vous montrer ma technique à moi après. Voilà. À droite. En haut, et vous voyez là pour l'instant je coince mon fil comme ça, il n'y a pas de nœud. En gauche. À droite. Ce qu'il faut surtout, c'est toujours faire vos croix dans le même sens. Bon, celles qui ont l'habitude de broder le savent, mais pour celles qui n'ont pas l'habitude ou qui ne savent pas broder, en haut à droite, en bas à gauche. Là, je vais commencer à couper mon petit fil. Et je continue, j'ai encore deux points à faire en bleu. Va dans ton panier. Ils ont deux paniers, ils se bagarrent toujours pour les paniers. Le dernier point de la ligne.
Pacha, s'il te plaît. Non, non, sors du panier, Algérie. Oh, c'est pas possible. Excusez-moi. Bon, voilà. Vous voyez, ma première ligne est faite. Donc maintenant, on va attaquer la deuxième, toujours dans le même sens. Et voilà, ils sont contents, ils ont changé de panier. Eh ben oui, tu t'es fait mal tout seul. Oh. Désolée. Alors, on va attaquer ici, tout, pour être toujours dans le même sens. Et si je vous disais que Pacha est parti du panier maintenant? Oh là 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 là. Donc. Alors, par contre, oui, si, je vais continuer comme ça. Voilà. Maintenant, je prends. Une fois qu'on a pris le rythme, après ça va tout seul. Hein. Bon, vous allez me dire, oui, mais toi tu as l'habitude. Bon, cette façon de faire là, le point dessus-dessous, c'est comme ça que vous allez faire quand vous avez un tambour. Avec un tambour, justement, vous ne pouvez... Ah, mince. Ah oui, j'avais fait mon point. Je m'étais trompée. Bon, c'est rien, c'est pas grave. Mais dans le bon sens, quand même. Je disais donc... du coup, là, je vais le faire là. Quand vous avez un tambour, vous êtes obligé de faire comme ça. Dessus, dessous. Donc là, c'est la technique de faire toutes vos croix en une seule fois. La ligne en dessous. Alors, je vais finir d'abord cette ligne. Alors, je pense que j'ai normalement ici, après il faudra que je mette du blanc, mais moi le blanc je le fais toujours en dernier parce que c'est la couleur la plus salissante, bien sûr. Donc je fais toujours cette couleur là en dernier. Donc c'est pour ça que je ne la fais pas tout de suite. Voilà, donc ma deuxième ligne, oups, ça floute, voilà, là c'est mieux. Alors, maintenant je vais vous montrer comment on peut faire, alors, en faisant des demi-croix,
Alors, on va commencer ici en bas. Alors, je trouve plus le trou. C'est fort, ça. Ah, voilà. Donc là, j'ai commencé... Oups, pardon. Non, c'est ma lampe qui bouge, c'est pas le téléphone. J'ai commencé en bas, vous voyez. J'ai commencé en bas à gauche. Peut-être que vous allez faire vous croire dans l'autre sens, hein, mais moi, c'est mon sens à moi. Hein. Donc, je vais aller en haut à gauche. Je vais en bas à droite. Et je retourne en haut à gauche. Et là, je vais faire des demi-croix tout le long de ma ligne. J'espère que vous voyez assez. Donc là, on ne fait qu'une partie de la croix. On peut trouver ça un peu plus long, mais bon, c'est pareil. Voilà, vous voyez, là, je n'ai fait qu'une demi-croix. Alors, je vous montre derrière. Voilà ça. Ah, c'est mon... J'ai pourtant pas mis de fil derrière. Voilà. Oh là, attendez, ça cloute. Voilà. Vous voyez ? Alors, maintenant, on va fermer notre croix, bien sûr. Donc, on va reprendre ici en bas. Vous voyez ? Et on va piquer en haut. Donc, en haut de la deuxième demi-croix. Voilà, là, on a fait notre croix. On va repiquer en bas. Donc, en bas de la première croix. Et on va piquer en haut de la troisième. Et on continue comme ça tout le long de la ligne. Et je vous montrerai derrière ce que ça fait. C'est plus joli derrière quand on fait comme ça. Alors, il y a des personnes... Alors, moi, j'ai jamais réussi. Hein. Il y a des personnes qui arrivent à broder les croix recto-verso. Donc vous ne savez pas de quel côté est le travail, si c'est le recto ou le verso. Il y a des croix des deux côtés. Ça, j'ai jamais vraiment essayé, mais j'ai vu une fois. Le travail d'un homme qui brodait et qui savait faire ça. Oh, c'était magnifique.
désolée, mais le son est au plus bas, hein. J'espère que ça va quand même pour la musique. Donc voilà, on a fini notre ligne. Je vous montre derrière, voilà ce que ça fait. Vous voyez, c'est beaucoup plus net. Ça nous fait que des comme des petits très droits, c'est tout. Mais chaque point s'est fait dans le même sur le même alignement. Donc on va continuer comme ça pour le bas, pour le reste. Alors si jamais vous n'avez jamais fait de point de croix, bon, vous pouvez commencer par un point. Ne cherchez pas à acheter un point de croix trop grand. Commencez par un petit pour vous entraîner. Un 20-20, voilà. Un 20 cm, c'est très bien pour commencer. Pour un qui n'a pas trop de couleurs non plus, trop de détails. Pour dire que vous commencez à apprendre à faire vos croix. Je vous montrerai aussi par la suite dans d'autres tutos comme pour le point compté, hein. C'est les mêmes points, c'est le même point, c'est le point de croix aussi, mais là on le fait sur des toiles blanches, pas imprimées. Donc pareil, si vous avez peur de vous lancer sur une toile blanche, lancez-vous d'abord peut-être sur du comme ça, de la toile estampée, pour apprendre à faire vos croix. Et une fois que vous arriverez à faire de jolies croix, ben, vous pourrez vous lancer dans le point compté. Oui, on va continuer. Et après, on fera un peu pour une autre couleur pour vous montrer. Là, ici, vous voyez, il y a des lignes. Ça, on le fera sur un autre tuto, puisque là, c'est du point arrière. Ce n'est pas des croix. Donc ça, je vous le ferai lors d'un autre tuto.
On va fermer nos croix maintenant. J'espère que je ne bouge pas trop. J'essaie de faire au mieux. Je vais vous montrer derrière ce que ça fait. Alors, les petits fils qui traînent. Oh, bah là, ça floute. Voilà, vous voyez, ça fait propre hein, comme travail par rapport au début. Là, c'est beaucoup plus net. Ah, j'ai perdu mon aiguille. Alors, j'étais où? J'étais là. Bon. Même au niveau, voyez, alors je vais vous montrer. Même au niveau des croix, regardez. Et ici, là, elles sont beaucoup plus nettes, plus belles que la première ligne. Vous voyez, c'est beaucoup plus joli que la première. Bon, j'ai perdu le trou. Le voilà. Dut, dut, dut. Ça y est. Je suis perdue. Ah, voilà. Bon, bien sûr, c'est pas du vrai fil DMC, hein, ces kits-là, mais bon, ça va. Maintenant, on va fermer nos croix.
Donc après, je vous montrerai comment on va arrêter notre travail sans faire de nœud. On referme notre croix. Il nous reste deux petits points, deux, trois points en bas à faire. Deux points. Voilà, on ferme. Voilà. Alors, ici, j'ai fini ma partie qui est là. Alors, j'ai deux techniques. Soit que je repasse mon fil, par exemple, on va dire ici, vous voyez, je le sors et je vais le passer en dessous de 2-3 croix et je vais le ressortir là, par exemple, là ou là, je vais le ressortir et je vais le couper vraiment à ras. Vraiment à ras de la croix, et là il sera bloqué, il ne pourra plus sortir. Bon, là c'est pas la peine, puisque ici vous voyez, je vais encore avoir de la couleur verte à faire. Donc quand c'est comme ça, on revient sur notre travail à cet endroit là Alors, attends, je trouve le trou. Je vais faire ma première croix, là, c'est pas grave. Oh, mais alors, c'est quoi ces petits fils? Voilà. Alors, normalement, je pourrais le laisser comme ça, et puis je le laisse pendre. Voilà. Et j'arrête comme ça, parce que je sais que là, je vais devoir faire. Ou alors, je le fais, hein, voilà. Et là, c'est parce que je veux vous montrer notre couleur. Et voilà, et puis là je fais mon travail, donc bon, là du coup ça me fait un fil qui sort comme ça. Si je veux pas ça, dans ce cas là
je fais ce que j'ai dit. Je vais vous le montrer maintenant, ce sera plus simple. Hop. Ressortir. Voilà. Donc je suis là. Donc vous voyez, mon travail est vraiment net. Il n'y a que le bord, mais c'est normal ça, le bord. Voilà, le travail est tout à fait net. On ne voit qu'un seul point derrière. Alors, je vais faire un arrêt quand même, comme ça vous le verrez tout de suite. Alors, je vais sortir ici. Je vais ici. Là. Voilà, je vais sortir mon point ici. Donc, vous voyez. Ah, ça floute. Et je vais passer mon fil en dessous. Alors, je vais essayer. Je vais essayer. Mais mon aiguille, elle n'est pas très très fine, alors c'est ça qui m'embête. Mon aiguille est trop grosse pour le faire, je pense. Ouais, j'y arrive pas, mon aiguille est trop grosse. Non, ben mon aiguille est trop grosse. Faudrait, je vous le montrerai avec une aiguille plus fine. Bon, je repars en dessous du coup. Je suis désolée. Je vous montrerai sur la prochaine fois. Hop. Voilà. Vous voyez, du coup, ça me fait un trou. Il faudra que je descende un enfil aiguille d'en haut pour le faire avec une aiguille plus fine. Bon, alors, soit que je laisse mon travail comme ça, soit je continue. Bon, là, je vais juste faire la première croix. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer pour faire une autre couleur. Voilà. Voilà. Donc là, je retire mon aiguille et je laisse mon fil. Donc, si vous n'aimez pas avoir un fil qui pend, vous arrêtez. Hein. Ou sinon, vous faites un nœud derrière ou voilà. Donc maintenant, on va faire cette couleur-là, le rose. Les traits, je vous ai dit, ça va être du fil, du point arrière. Donc, on s'en occupe pas pour l'instant. Voilà. Alors, je vais poser mon aiguille. Le rose. On va regarder c'est quoi. Alors, on ne l'a pas là. Voilà, on l'a ici, le rose. C'est le numéro 9. Et c'est en DMC, c'est le 414. Alors, je vais d'abord ranger mon bleu, parce que je ne l'avais pas rangé tout à l'heure. Sinon, après, je ne vais plus savoir. Ça, faites pas comme moi. Rangez tout de suite vos couleurs. Pour ne pas avoir à chercher ce que c'est. Et voilà, donc on a dit le 9 est ici, c'est un gris foncé, enfin, oui. On va prendre juste, voilà. Là, je le remets tout de suite.
Et pareil, je vais prendre deux aiguillés. Donc quand on dit deux aiguillés, c'est deux fils. Excusez-moi. J'avais vu un message sur mon ordinateur et comme j'en attendais un, je pensais que c'était celui-là, mais non. Allez, on va essayer d'enfiler du premier coup. Hein. Ce serait bien, oui, yes. Donc, alors le gris foncé, c'est sur le rose. Donc, on va démarrer Je cherche comment démarrer pour bloquer mon fil. Non, pas dans ce sens-là. J'avais deux fils, moi, pourtant. Je me retrouve plus qu'avec un fil. Mince. J'ai perdu un fil. Bon, ben, c'est rien. Vous voyez, ben, ça, je vais vous montrer, du coup. Je sais pas ce que j'ai fait. Peut-être pas. Perdu un fil. Quand vous faites qu'un fil, vous sortez qu'un fil, donc vous allez le mettre les deux bouts, voilà, comme ça. Et oh, j'arrive pas à m'expliquer, mais enfin, vous pliez votre fil en deux, voilà, je vais y arriver. Enfin, je sais pas, pourtant, j'ai sorti deux fils. Bon, je regarderai après. Ce n'est pas grave. Ah ben, regardez où il est. Ah, je vous jure, je ne sais rien. Alors, j'étais où? J'étais là. Non, j'étais là. Alors, comme tout à l'heure, hein, on va piquer en haut. Par contre, quand ça fait comme ça, il faut faire attention que les deux fils restent bien à la même longueur. Voilà. Je bloque avec mon doigt, quitte à couper un peu plus, mais c'est pas grave. Hop, je pique en bas. On va piquer en haut, comme tout à l'heure. Si on trouve le trou, voilà.
là je peux déjà couper. Vous voyez, de façon il est déjà bloqué. Je suis embêtée avec mon petit bout de fil là. Voilà. Alors moi, vous voyez, je m'embête avec ça. Parce que quand j'ai un fil. Voilà. Allez, ça y est, on est parti. Alors là, je vais avoir des couleurs en haut, des couleurs en bas. Donc on choisit par où on veut partir. Hein. Je vais faire ma ligne de demi-croix. Vous voyez toujours très bien. J'espère que la musique vous plaît toujours. Nous allons fermer nos croix. Alors ici, vous voyez, il y a un petit carré comme ça. Ça va être des points arrière. Donc on s'en occupe pas. Alors quand vous brodez comme ça sur une toile comme ça, ce que vous pouvez faire aussi, un peu comme le DP, c'est broder carré par carré. Ça vous fait... Alors dans ce cas-là, ayez plusieurs aiguilles. Pourquoi? Parce que ben, vous allez changer plusieurs fois de couleur. Donc, ayez déjà vos aiguilles de prête avec les couleurs. On va monter. Comme ça, ben,
dès que vous voyez que vous allez changer de couleur, attendez, je regarde si je ne me suis pas trompée. Non, c'est bon. Comme ça, dès que vous changez de couleur, vous voyez, bon, ici, je suis en train de faire ce carré-là. Bon, voilà. Hop, par exemple, je vais faire le rose. Ah, et là, j'arrive dans le vert. Bon, ben, il faut que je prenne du bleu. Voilà. Donc, comme ça, ça vous permet de ne pas perdre de temps à changer de fil à chaque fois sur votre aiguille. Vous travaillez avec plusieurs aiguilles. Pareil, je vous ferai montrer comment je fais quand c'est comme ça. Et donc là maintenant, ça, une fois qu'on a pris le rythme, ça va beaucoup plus vite. Donc la prochaine fois, je vous montrerai une autre manière de faire vos croix. Donc là, cette façon-là, vous ne pourrez pas la faire avec un tambour, bien sûr. Là, la manière que vous avez vue aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser avec un tambour ou sans tambour, comme moi actuellement. Refermer nos croix. Donc ayez toujours la même tension aussi sur votre fil pour que vos croix soient toujours serrées pareil. Hein. On n'est pas des croix serrées, des croix qui sont lâches. Ayez toujours la même tension sur votre fil. Donc la tension, vous la faites avec votre main, hein, bien sûr. On va arriver au bout. Donc on va finir ce petit coin là avant de se quitter en bonne amie. Voilà. Donc, allez, on va terminer ce petit coin là.
Oh, non, c'est ma loupe. Je bouge ma loupe, du coup. Il m'est impossible de broder si je n'ai pas ma loupe. D'ailleurs, cette semaine, je me suis aperçue que ma vue baissait énormément, là, d'un coup. Il va falloir aller faire un petit tour chez l'ophtalmo. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Hein. Que celles qui ne connaissent pas le point de croix ou qui avaient quelques difficultés ben, pourront déjà mieux s'habituer. Alors, si vous avez des questions, ben, c'est comme d'habitude, hein. N'hésitez pas à venir me les poser en commentaire. Alors ici on va avoir, c'est pas des lignes mais c'est une croix par-ci par-là, donc on va faire les croix entières d'un coup. Alors je vais faire celle-ci d'abord. Là, bien sûr, quand vous n'avez qu'une croix à faire, vous la faites en entier. Hein. Mais toujours dans le même sens. C'est surtout ça le plus important. Il faut que vos croix soient toujours, toujours, toujours dans le même sens. Alors ici, vous voyez, j'en ai encore une là, donc ce que je vais faire mes demi-croix tout de suite. Hop, je perds mon fil. Ici, on aura du point arrière, hein. Il y aura trois points arrière à faire. Alors, voilà.
Voilà. Alors, comme là, ça va continuer ici. Mon fil, j'ai encore de quoi faire. Je ne vais pas l'arrêter. Il va aller au prochain point. Hop. Allez, trouve le trou. Ici. Voilà. Donc, quand je vais reprendre ma broderie, ben je reprendrai ici, voilà, ma demi-croix, et je continuerai toujours comme ça. Voilà, bon, là, je vais la piquer l'aiguille pour ne pas la perdre. Voilà. Donc, comme ça, je n'ai pas fait d'arrêt. Bon, il y aura un fil qui va pendre, mais c'est pas bien grave. Hein. Ah, ben, j'ai fait une croix, vous voyez? Donc voilà, là mon travail est toujours à peu près propre, hein, voyez. Bon, de temps en temps j'arrive à faire une croix derrière. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Ben, je reviens devant vous tout de suite. Voilà, je reviens devant vous pour vous faire un bisou. Et voilà, la chaîne YouTube où vous entendez la musique de Noël. Voilà, un joli décor qui passe. Attendez. Donc, vous avez ça pendant 8 heures. C'est une chaîne japonaise, je crois. C'était pas mal, hein? J'espère que vous avez aimé. Ah, voilà Fifi. Bonjour Fifi. Viens dire bonjour. Ça va mieux les oreilles, Fifi? Oui? Tu viens? Oh là là, oh là là. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah oui, t'es accroché au pantalon, maman. Attendez. Oui. Et ben voilà, elle est accrochée. Attendez, une seconde. Voilà, Fifi était accrochée à mon pantalon. Donc, je vous laisse avec ce petit décor, cette jolie musique. C'est d'actualité. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous faire d'autres tutos, bien sûr, sur cette broderie. Et moi, pour l'instant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous. Je vous laisse un peu avec la musique.